Donc, Lim, on va installer un serveur DHCP. Donc, on va prendre un Ubuntu Server. Donc, allez, je Ubuntu Server à la fin ma hashtag pour l'interface graphique. Donc, je n'ai Ubuntu Server. N'installez un serveur DHCP. Ou bad, en fait, on va essayer de configurer une plage d'adresse. Qui va distribuer dynamiquement les adresses IP pour les clients. OK? Donc, je t'ai demandé de l'installer un serveur, d'installer le package interne, configurer le fichier de configuration à l'HTTP, et maintenant, je vais est-ce que le client va prendre l'adresse IP. Donc, le client interne, hein, on va prendre n'importe quel, hein, soit client Windows ou la Linux. Donc, on va commencer tout de suite à installer le système d'exploitation. Hein. Okay.
Donc ici, on va installer un serveur SSH pour que l'on puisse accéder avec un outil tel que Putty, donc pour accéder avec SSH. Voilà, donc on va installer uniquement OpenSSH Server. Voilà, donc out. Donc là, en fait, je vais installer OpenSSH Server, un serveur SSH pour qu'on puisse accéder à distance avec un outil, par exemple, qui m'a Putty. OK? Voilà. Donc là, on a installé Grub. Le programme de démarrage. Hein. Démarrer. Voilà, vous voyez donc on dit interface graphique. Hein. Voilà, donc. Indice interface graphique. Donc, la première des choses, je vais récupérer l'adresse IP pour que je puisse accéder avec l'outil Putty. Donc, là, ifconfig. Donc, voilà l'adresse IP 192.168.1.36. Voilà. Donc, je vais le mettre de côté. OK. Je vais le mettre de côté. Donc, il faut installer l'outil Putty. OK. Donc, l'outil Putty. OK. Et je vais prendre ça.
L'utilisateur GRASA avec l'adresse IP 1.36 hein, qu'on vient de voir tout à l'heure sur le port numéro 22. Donc ici on va accepter la clé fingerprint. Donc après on aura un cours à les clés publiques et les clés privées, l'accès avec en mode synchrone et asynchrone, etc. etc. Okay, donc accepter seulement. Voilà, donc ici je suis sur mon Ubuntu Server. Donc la première des choses, on va faire un apt update. Si vous voulez, on va accéder avec sur ou bien avec sudo hein. Apt update. Okay. Voilà. Donc apt update. On va se synchroniser avec les miroirs, les dépôts de miroirs, donc avec qui se trouvent dans les adresses à domaine, hein, donc ici. Alors en fait, maintenant, je vais installer un outil. Aptitude. Alors, aptitude ressemble un petit peu à apt, hein, apt, apt get install, mais je préfère l'outil aptitude et je vais vous dire pourquoi. Okay. Donc, installer, il me demande mon sudo. Hein. Okay. Alors, donc pourquoi aptitude? Regardez. Alors, mon package il s'appelle, donc si je fais aptitude search DHCP. Okay. Voilà, donc ici il me montre plein plein de choses. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre. Voilà. Mon package il s'appelle ISC DHCP Server. Server DHCP ISC pour l'affectation automatique des adresses IP. Donc c'est ce package-là qu'on a besoin. Alors s'il y a P devant, c'est qu'il n'est pas installé. S'il y a I devant, uniquement I, c'est qu'il est installé. Installed. Donc ici, il n'est pas installé. Alors pourquoi j'ai utilisé aptitude et non pas apt? Regardez si je fais apt, qu'est-ce qu'il va me donner? Je fais la même chose avec apt. Hein. Voilà. Donc ici, en fait, si vous voulez, la mise en page des packages avec aptitude est beaucoup mieux. OK? Alors apt, on peut faire aussi apt cache. Okay. Ça va me donner un petit peu pareil aussi, ok. Mais je préfère l'outil aptitude parce que vraiment, il me dit si l'outil est installé ou pas et il me donne une bonne mise en page, si vous voulez, de mes packages. Bien sûr, il n'y a pas que apt et aptitude, etc. Donc, il y a d'autres outils, mais il y a même des outils graphiques. Hein. Mais bon, j'aime pas trop le graphique. Et d'ailleurs, ici, on travaille sur un serveur donc, la couche graphique n'existe pas. Hein. Okay. C'est ce que je vais utiliser. Donc, je vais installer ce package. Ok. Donc, il suffit de faire un petit sudo apt install hein, et le tour est joué. Ok. Ok, donc ici en fait mon serveur il est installé.
Et on va procéder à la configuration du fichier. Ok, donc sudo nano slash etc dhcp dhcpd.conf dhcpd.conf. Ok. Alors vous voyez ici en fait, il y a plein de choses ici. Donc il y a plein de choses. Donc ce qu'on va faire, on va le renommer et on va en créer un DHCPD nouveau. Ça, c'est un HDIT. Mais il n'y a pas pour l'instant. Regardez ce que je vais faire maintenant. CD/TC DHCP. Ok. Sudo env DHCP.conf. Donc, on va garder une copie. En cas de pépin, je vais revenir en arrière. Pour revenir en arrière. Voilà. Et on va créer un tout neuf. Ma fille Hatashé. Ok. Voilà. Donc, faire ma fille Hatashé. Donc, si vous voulez, on va aller sur Google. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Configurer. Configurer un serveur DHCP. Du Ubuntu si vous voulez hein. Voilà, donc ISDHCP server, c'est ce qu'on voulait hein. Tiens, on va prendre ça et on va le modifier petit à petit. Ok, copier. Ok, d'accord. Donc ici, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Donc ici, on va travailler sur un préfixe. Notre préfixe, donc c'est 192.168. Par exemple 17.0/24. Ok. Donc ici, j'ai un préfixe de classe C. Et un masque 255.255.255.0, donc slash 24. Donc, c'est-à-dire on peut adresser 2 à la puissance 8 moins 2 hosts. Un dimitino arbochamsin host allant de 17.1 hattesh l 17.254. Au bout 17.0, c'est l'adresse réseau. Ou le 17.255, c'est le broadcast. Ok, on va travailler avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on va configurer? Donc, netmask mridel. Le broadcast, là, il y a les 17. Router, là, en fait, router, là, c'est le serveur qui va attribuer ou là, qui va donner les adresses IP. Donc, là, pour l'instant, router, là, le serveur avait en question. Alors, on a mon article, par exemple, 17, soit un article la première adresse, soit un article la dernière adresse. Ok? Donc, tiens, on va lui donner la première adresse, 17.1. Donc, c'est-à-dire, là, mon serveur DHCP, mon serveur Havaï, donc, lui, il y a 192.168.1.36. On va le changer, donc il va devenir 17.1, ok? À moins que nous avons une autre carte au réseau, Wahda Tz l'interne, fait 17.1, ou tarte les adresses IP, ou le 1.36 pour l'externe. On le fera après, hein? On le fera autrement, ok? Donc pour l'instant, en fait, on ne va pas compliquer les choses. Donc, serveur Mtanaho 17.1, et j'ai mis un serveur de domaine aussi, donc j'ai mis un serveur qui va donner donc, qui va jouer le rôle de DNS. Voilà, 17
On rentre le DNS primaire 17.1, on rentre le DNS secondaire, par exemple, par Google, 8.8.8.8, voilà, donc à la primaire, à la secondaire, si vous voulez. Un nom de domaine, donc, nous jouons ça mieux, ubuntu-server.lan, ok, un nom de domaine, donc pour l'instant, on n'a pas configuré le DNS, mais uniquement achète un nom de domaine, ubuntu-server.lan. Okay? Alors, NTP server, c'est-à-dire le serveur auquel tous les clients ils vont se synchroniser par rapport au temps. On a le temps à tous les clients, ils vont se synchroniser par rapport au serveur avec tout le monde auront donc, tu verras, 9 slots. T'as un serveur de HCP. Donc, un chose très 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 essentiel. Allez, à la khater, donc, imaginez les, et les clients, ils courent, moi je fais du temps ou moi je fais de date ou au serveur, et ben en fait, on aura des problèmes de synchronisation. Au bout de le client, il pourra ne pas avoir une adresse IP. Donc, c'est très très essentiel et primordial pour que nous faire du temps. Ok, donc 17.1, donc NTP, donc serveur de temps aussi. Allez, les plages d'adresse internes, minch d'abda. 17.0, le subnet interne, le masque 255. On colle, par exemple, tu vas donner dynamiquement les adresses IP 17.10. Hattèche 17.100. Voilà. Donc, l'année, en fait, on va attribuer automatiquement les adresses IP, même 17.10, hattèche 17.100. Donc, c'est-à-dire le premier client devrait avoir l'adresse 17.10. Donc, si vous remarquez bien, dès la même point 10, ma dinesh mon point 1, point 2, point 3, allez, le 1, le 2, le 3, le 4, mais je vais aller donc, hors, si vous voulez, adresse dynamique, mais pour des besoins, par exemple, nous avons un fixé ou une adresse IP pour un client bien défini. Nous avons 10 meilleurs ou la même adresse, mais je vais pas de bête de l'école marra. Ou elle a un serveur, bien les serveurs, les micro ont des adresses IP fixes. Donc, on va pas laisser dynamiquement en fait le serveur avoir à chaque fois une adresse IP différente. Ok, donc on va faire ça comme ça. Hein, on va voir bon, pour l'instant. Est-ce que le client interne va avoir 17.10 ou elle est là? Ok, donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on va faire? Les zones d'anarchie au 17.1 pour l'adresse le serveur interne. Au même bas, en fait, on prend un fard LAN, fard réseau, ou le client, pour pouvoir donner des adresses IP le client interne. Ok, donc pour l'instant, on est bien d'accord. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je config, si vous voulez, donc. Le 1.36, ça va y aller 1.17, ou le 17.1. Ok, donc les amis, 17, et il faut faire sudo ifconfig ENPL0S3. Ok, donc l'adresse, je suis 192.168.1.17.1 et netmask 255.255. Non, attention. 255.255.0. Ok. Donc, en principe, donc, elle est hachnabi. Et, donc, sauf que l'année, en fait, on va perdre la connexion avec Putty. Donc, l'année, de préférence, de faire cette commande
sur le serveur directement. Ok? Donc, généralement, en principe, on devrait faire ça. Hein. Erreur de repérage de nom de node, sudo ifconfig. Ok. Donc, il y a des cartes réseau. Mais on va essayer de faire ça sur le serveur directement. Ok, donc même si le serveur. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire primo, hein, nomme la chose suivante. Regardez bien. Donc ici, nous mettons les configurations. Un serveur interne. Allez. Donc le réseau est axé par pont. Un réseau interne. Donc match accès à par pont, mais je vais lire un réseau interne. Donc maintenant, on peut changer un LAN, par exemple. Esmo LAN, réseau interne, Esmo LAN, à l'interface numéro 1. OK? Kif kif. Je suis le client. Client direct. Donc, pas de c'est bon. Voilà. Je t'aime chez le client direct, par exemple, Hada. Ok. Même chez le parti réseau. Donc, il y a le réseau interne. Il y a le SMO LAN. Voilà. Donc, LAN. Réseau interne LAN. Donc, on met le clan de deux PC, un serveur, un client. Okay. On est bien d'accord. Maintenant, je vais chez le serveur MTI. Mais j'ai l'adresse MTI, l'adresse MTI. Donc, on a sudo ifconfig avec ENP. 0S3 ifconfig np0s3 ok d'accord l'adresse 192.168.17.1 netmask 255.255.2 255.0. Ok. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ici? Attribuer. Nagement manuellement, nagement on accède sur le fichier de configuration, mais je vais le faire manuellement. Hein. Je me bats là directement sur le fichier. Ouais, sudo ifconfig, de l'adresse IP, donc c'est ce que je viens de faire temporairement. Hein. Ah, il n'y a pas adresse. Il n'y a pas adresse, il n'y a pas adresse. Donc voilà. Ici, je n'ai qu'à mettre adresse. Voilà. Ok, d'accord. Voilà, c'est bon. Donc, créer temporairement l'adresse IP. Donc, là, en fait, j'ai changé temporairement. Hein. Sinon, donc, notre le fichier Havaya. En dur Havaya. Sinon, on a mal network
Interface, voilà. Donc sinon, on dit l'adresse IP statique l'année. Donc, n'est-ce l'année en dur. OK. Donc, l'année, on met temporairement. Voilà, pour l'instant, on a créé l'adresse IP. Une dernière chose, je vais redémarrer le service, c'est un serveur DHCP. Donc, ISC, DHCP, start. Alors, on a... Qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, il y a le sudo. Voilà, il y a le sudo. Voilà, donc, dis-moi. Mrigle, donc, OK. OK, donc, je vais aller maintenant le côté client. OK, le côté client. Donc, en principe, en démarrant le côté client, il devrait avoir une adresse IP. Ou là, il devrait, après négociation avec le serveur, avoir l'adresse IP. Ah, ou l'adresse IP, il y a point 10. Donc là, en fait, on voit bien qu'il n'a pas reçu une adresse IP. Hein. On va essayer de le booster un petit peu. Donc, dernier, juste pour le clavier, badane le clavier. Donc, si je fais ifconfig, ah, 10.11, tiens, 10.11. Donc, dernier, en fait, il a pris 17.11, la deuxième adresse. OK. Donc, si toutefois, marquez une adresse IP, OK, ce que vous pouvez faire, c'est faire un sudo DH client. OK. Donc, vous faire un sudo DH client, donc il va renégocier avec le serveur DHCP et lui demander une nouvelle adresse IP. Okay. Voilà, donc, on est bien là, ici. Hein. Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut pinguer à l'extérieur? On va voir. Qu'est-ce qui se passe? Donc ici, on ne peut pas pinguer à l'extérieur. Donc, il a raison. Hein, il a raison. Donc, on ne peut pas pinguer à l'extérieur. Maintenant, on peut uniquement avoir une adresse IP, mais on ne peut pas naviguer sur Internet. Donc, la navigation sur Internet... on le fera dans une autre vidéo, ok. Donc là, on fait vidéo R. Pour l'instant, est-ce qu'on peut pinguer le serveur, bien sûr. Voilà, on peut pinguer le serveur, ok. Est-ce que le serveur peut pinguer donc le client? Bien sûr que oui, hein.
Voilà. Ok, d'accord. Donc on est bon. Donc juste on va terminer avec une dernière chose. Ici, si vous voyez bien, par exemple, lorsque je fais ça, عندي une Ok, un masque, une adresse MAC. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est fixer une adresse donc avec fixer une adresse. Donc dans la configuration du serveur DHCP, on va lui fixer une adresse. Une nouvelle adresse. Le serveur DHCP, l'adresse MAC par exemple 17.9 par exemple. Donc à chaque fois lorsque le serveur DHCP va attribuer des adresses, il va donner pour ce MAC pour la carte l'adresse MAC il va lui donner une adresse IP elle est 0.9 donc qui va pas changer. Ok, donc comment on va faire ça? Donc vous voyez 0800, donc tiens, je vais le noter ici. Alors le masque interne 08 2.002.27.cc.3c.22, donc l'adresse MAC interne, donc elle s'étale sur 6 octets, 1, 2, 3, 4, 5, 6 octets, ok. Et donc, elle est frappante à 10, pour l'adresse 192.168.17.9. par exemple, ok. Donc, comment on va faire? Donc, monsieur le serveur. Sur le code de serveur, geolinec. Alors, sudo, je suis désolé pour l'écriture, hein. Nano slash etc dhcp dh.conf. Donc, machine geolinec, on va rajouter un petit morceau ici. Alors, je me suis dit de l'année. Vous voyez bien, donc ici. Alors, qu'est-ce qu'on... Voilà. Donc, on change de l'année. Cette partie. Voilà. On coule le hardware Ethernet, on coule l'adresse MAC, l'année. On coule le fixed adresse, on coule l'adresse, l'année. OK? Donc juste, je change d'où la partie heavy. Ok? Donc le nom par le PC Intel, Osbox. Osbox. Ok. Donc, change de mec. Donc, جيو لهناك ونقول له هوست اس بوكسس. اوكي على هارد وير انترنت. دونك هارد وير انترنت على سي كوا لادريس هي هذه. Et donc 08 08 2.00 2.27 2.cc 2.3c 2.22. Et d'accord. Donc 08 0027 cc voilà, donc je pense que c'est pareil.
Et voilà. On va lui fixer une adresse. On va lui fixer une adresse. Fixette-adresse. Cent quatre-vingt-douze colonne 168.17.9. Ok, d'accord. Ok, d'accord. On s'accroche vite. Ok. On est bien d'accord. Voilà. En principe, c'est ok. Donc, Géo. Oui. Ok, donc voilà, on va redémarrer le service. Dis-moi, on va redémarrer le service. Ok, d'accord. J'ai le côté client, t'as vu? Si je fais une config, voilà, donc je vais relancer DH client. Ok. Ok, d'accord. Voilà. Donc, là, en fait, on aura tout le temps, l'adresse 17.9 lorsque Hostbox se connecte et demande une adresse IP. Donc on peut le faire avec des clients ou bien on peut le faire avec des serveurs. Ok? C'est-à-dire au lieu de configurer manuellement le serveur avec des adresses IP statiques, on peut tout mettre dans le serveur DHCP et comme ça en fait l'adresse ne va pas changer. Voilà, donc pour cette vidéo on a terminé, donc c'est la première partie et on aura une deuxième partie. Et on va essayer dans la deuxième partie de configurer un serveur DHCP sur un firewall. Comme ça, on pourra à la fois configurer la partie interne et la partie externe, c'est-à-dire la partie axée sur Internet. Merci beaucoup, donc on aura terminé donc et à la prochaine.